Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour réaliser une recette que vous êtes très nombreux à me demander, les gaufres moelleuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Allez c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. On commence tout d'abord par verser le lait dans une casserole, puis on ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse, et on porte le tout à ébullition. Ici j'ai pris une gousse de vanille de Madagascar que vous pourrez retrouver sur le site de David Vanille. On retire ensuite la casserole du feu, puis on couvre et on laisse infuser environ 30 minutes avant de passer à la préparation de la pâte. Dans un saladier, on verse la farine, le sucre, le sel et la levure, on mélange, puis on creuse un puits, on y casse alors les 3 œufs, on va alors commencer à mélanger au centre à l'aide du fouet, et on ajoute le lait vanillé à peine tiède petit à petit tout en mélangeant et jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse et homogène. On ajoute enfin le beurre travaillé en pommade et on mélange une dernière fois. Donc il est important que tous les ingrédients soient à température ambiante. La pâte à gaufres est prête. On va ensuite filmer le saladier et on la laisse reposer 2 heures au frigo. Après repos, on sort la pâte du frigo et on vient la remélanger rapidement. Donc voici la texture que vous devez obtenir. Et on passe ensuite à la cuisson des gaufres. On commence par faire chauffer le gaufrier, puis quand les plaques sont bien chaudes, on verse la pâte dans les empreintes. On referme alors le gaufrier et on laisse cuire environ 4 à 5 minutes. Les gaufres sont prêtes quand elles sont bien dorées. On peut ensuite les accompagner de ce qu'on préfère, du sucre glace, du sucre, de la confiture ou encore de la pâte à tartiner maison. Et voilà, la recette des gaufres est terminée, bon appétit à tous! Les gaufres sont terminées, bien sûr vous pouvez les accompagner de ce que vous voulez. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus si ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.